Spiritual Box. Et nous avons derrière les deux créateurs de la Spiritual Box. Hello. Coucou. On espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre concept, du coup? Nous le présenter. Qui commence? Allez, honneur aux dames. Allez. Alors, la Spiritual Box, c'est une box mensuelle, le concept de la box que vous recevez tous les mois à la maison. Et c'est la première sur le thème de la spiritualité, du développement personnel. Et cette box, on l'a créée tous les deux avec Vincent. Donc ça va faire bientôt un an, là, le 1er octobre. Et nous, en fait, le concept, c'est qu'on se déplace dans les pays himalayens. On a beaucoup de contacts là-bas, notamment au Népal. Et on sélectionne rigoureusement et avec amour des produits qui sont faits à la main. C'est des produits, en fait, qui vont vous aider à vous épanouir spirituellement, vous épanouir au quotidien et vous en faire connaître davantage sur la spiritualité. Vous montrer qu'en fait la vie c'est pas que le corps, c'est pas que le physique, il y a beaucoup de choses autour qui sont très intéressantes à découvrir. Oui, tout à fait. Donc là aujourd'hui on est venu justement dans le salon de Toulouse, le salon du bien-être, pour justement venir, comme on vous a dit, parcourir la France, puis par la suite l'Europe, pour venir rencontrer directement nos abonnés, puisque nous aujourd'hui ce qu'on veut faire c'est vraiment créer une communauté, qui se passe vraiment quelque chose. Avec nos abonnés, en fait, quelque part. C'est-à-dire créer une grande famille. Voilà, créer une grande famille et que en fait, nos abonnés puissent également se faire plaisir à travers nos box, qu'on soit proche d'eux s'ils ont des questions. Les aider aussi dans leur développement personnel. On a déjà permis à certaines personnes lors de discussions ou autres de leur donner des clés. De trouver leur voie. Et c'est vraiment notre but. De toute façon, la Spiritual Box, c'est une clé. C'est un outil quoi, qui va vraiment vous aider à répondre à certaines questions que vous vous posez. Qu'est-ce qui vous fait du bien dans la vie? Trouver des objectifs aussi, parce que je sais que des fois on est un petit peu perdu. Il y a des périodes comme sûr. Ça où on a besoin d'être cadré un peu plus. On a besoin d'être cadré, ou trouver des voies dans le bien-être. J'aime pas le sport, ou j'aime pas ci, ou j'aime pas ça, et j'aimerais trouver quelque chose qui me fasse du bien. Et pourquoi pas vous tester la Spiritual Box. Parce que c'est que des produits qui ont été cherchés avec le cœur, des rencontres lors de nos rencontres, soit lors de nos voyages, des rencontres comme avec toi Célia aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout à travers, ça reste des produits, mais des produits où il y a un côté lumineux derrière, quelque chose qui vibre. Oui, c'est hyper important, c'est que vous ressentiez tout l'amour qu'on y met dans les box. Alors vous allez dire que c'est un petit peu commercial, mais non, pas du tout, vraiment, même moi, à chaque fois, je suis toujours amoureux de mes box. On se fait le plaisir de s'envoyer une box chez nous. Pour ressentir ce que vous pouvez ressentir aussi, et se mettre à votre place, pour voir aussi tout le temps les axes d'amélioration. Ouais, c'est vraiment vivre le truc avec vous, vivre l'expérience. C'est génial. Et ce qui est super marrant, c'est qu'on a toujours la même joie. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est comme des enfants. On est des enfants, on regarde, ah, trop bien, regarde, t'as vu la brochure qu'on a faite. Mais il faut savoir qu'on est que deux dans l'entreprise. Pour l'instant, on est un couple, c'est notre projet. C'est un projet qui vient du cœur. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, en fait, pourquoi on a créé la Spiritual Box, c'est parce qu'avec Constance, on a eu pas mal d'événements dans notre vie qui ont permis d'avoir aussi. Faire grandir spirituellement et par exemple en fait Constance et moi on s'est retrouvés 20 ans plus tard, c'est-à-dire qu'à la base on était de la région du Nord, on s'est retrouvés 20 ans plus tard du côté d'Annecy, à 5 km en même temps la même année, c'est ça. Sans se consulter, donc plusieurs synchronicités aussi qui ont fait que ça nous a amené vers des sujets spirituels, justement la destinée, le karma, etc. Tout est venu naturellement. Les âmes sœurs aussi. Les âmes sœurs, on pourrait vous en parler pendant des heures. Mais oui, on a une histoire en tout cas qui est très belle, qui nous-mêmes nous surprend encore. Ouais, qui fait partie de la Spiritual Box aussi, c'est pour ça que j'aime bien en parler aussi, parce que c'est pas qu'un produit, c'est une histoire qui est faite avec le cœur et qui donne aujourd'hui ce qui est la Spiritual Box. C'est ça que je trouve magnifique, c'est qu'en fait vous partagez vraiment des produits que vous avez découvert à travers vos voyages, des choses qui vous ont apporté, des choses qui vous ont parlé vraiment avec le cœur. Et c'est génial, par exemple. Alors ça, c'est la Spiritual Box d'août. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors là, vous avez, par exemple, vous avez toujours un produit à manger.
Donc là par exemple on a la marque APE, alors c'est juste trop bon. Donc il faut savoir que tous nos produits en fait sont toujours vegan. Donc là en fait vous avez la noix de coco enrobée directement de chocolat, c'est vraiment très très bon. Là on a toujours un produit donc soin. Donc là c'est la marque EQ qui partage les mêmes valeurs. C'est une entreprise plutôt familiale, pas industrielle, qui fait en fait ces huiles, les soins du corps, des huiles. Là c'est l'huile scintillante qui est juste merveilleuse pour le soleil par exemple. Pour protéger la peau, voilà, après l'exposition au soleil, c'est vraiment une huile très agréable à porter, un petit peu scintillante mais pas trop. Et effectivement ce qui est très important pour nous, comme le disait Vincent, c'est vraiment de garantir une qualité non testée sur les animaux pour les produits soins. Il y a vraiment une vraie éthique derrière. Et voilà, tout en naturel, au maximum en tout cas. Et voilà, promouvoir aussi l'artisanat, les personnes qui font des produits extraordinaires et qui ne sont pas forcément connues. Et ça leur fait vraiment plaisir de dire, bah voilà, j'ai cette petite visibilité qui va complètement aussi donc, avec leur façon de penser et de travailler. Voilà, c'est... Par exemple, le boomerang, vous l'avez rapporté d'un de vos voyages ? Oui, tout à fait. En fait, le boomerang, il est peint à la main. Il vient de Bali. Et ce qu'on a voulu faire passer comme message pour le boomerang, c'est l'effet boomerang, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. En plus, voilà. Ça permet de découvrir une notion de développement personnel. Voilà, exactement. Comment faire pour attirer le positif, voilà, pour que la vie puisse vous apporter ce dont vous rêvez. C'est très simple, en fait. Le boomerang, pourquoi on a mis le boomerang, pourquoi on veut vous parler de la loi de l'attraction? En un mot, pour nous, en tout cas, vous attirez ce que vous pensez, vous attirez ce que vous êtes. Si vous vous réveillez tous les matins en disant je vais pas passer une bonne journée, j'en ai marre, bref, si vous vous plaignez, je sais que c'est facile à dire, hein, c'est humain de se plaindre. Mais voilà, il faut, pour attirer le positif, il faut vous mettre tout le temps dans la positivité, toujours croire en vos rêves, toujours être motivé dans ce que vous avez envie d'entreprendre, dans ce que vous avez envie que la vie vous apporte. Dites-vous que jamais rien ne vous tombera sur la tête. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est notre phrase avec Vincent, c'est notre hymne. Voilà. Le ciel va bien vous aider à partir du moment où il verra que vous faites tout pour avoir la meilleure des vies, en tout cas la vie que vous voulez avoir. Et si vous vous donnez à fond, l'univers vous donnera un petit peu de pouce. Et là vous allez dire, ah ouais d'accord. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà, nous-mêmes on l'a appris aussi sur le tas. Nous aussi on se plaint, nous on est tous des humains, on n'est pas parfaits. Voilà, et c'est dans ces box qu'à chaque fois on fait passer des petits messages de vie comme ça. On essaye de vous aider et de communiquer sur ce qu'on a appris nous dans la vie au quotidien. C'est génial. On a compris vite comme tu me le disais. Aussi cette façon de révéler aussi l'enfant intérieur quand on découvre la box. C'est génial de vous envoyer d'ailleurs une box vous-même pour revivre ça, c'est super. Bah, franchement, carrément, parce que nous-mêmes, en fait, on adore recevoir des cadeaux à la maison, etc. Et là, le fait de vivre l'expérience avec vous, c'est hyper important pour nous. Ouais. Parce qu'on se met vraiment à votre place et c'est là qu'on voit ce qui est super ou les petites choses à améliorer. On est toujours en work in progress. On ne se repose jamais sur nos lauriers. En plus, Vincent et moi, on est des personnes hyper exigeantes avec nous-mêmes. Et voilà. Et vous mettez cette exigence dans les box, du coup. Exactement. Et pour le moment, c'est ressenti et c'est ça qui nous touche beaucoup. Les gens comprennent le message et faire passer. C'est vraiment super. Moi, je suis conquise, je suis amoureuse. Merci, Célia. J'adore vraiment le concept. Je trouve ça génial. Bon, après, voilà, j'en parlerai plus en off, mais vraiment, je trouve ça super, quoi. C'est gentil. Puis de faire vraiment les choses avec éthique, avec le cœur. Puis ça se ressent vraiment dans vos produits, dans ce que vous choisissez. Puis de voir que vous les avez testés, que ça vient de vos voyages, ça vient de... d'une de vos tranches de vie en plus. C'est un partage aussi que du coup vous faites avec les autres, c'est génial. Avec votre communauté, vous créez, vous partagez ce que vous vivez, c'est super. Et pardon, j'étais en train de filmer bêtement le stand, je vous parlais, mais... Donc voilà, le stand de la Spiritual Box. La première enceinte écologique faite à base de bois de manguier. On essaye de rester vraiment dans la simplicité pour que les personnes puissent comprendre rapidement de quoi il s'agit. Le téléphone à l'intérieur, ça sent des questions du stress. Un ami à nous qui crée des enceintes écologiques.
écologique en bois de manguier. Alors votre prochain voyage, ce sera pour où? Alors le prochain voyage, deux possibilités, le Québec ou la Californie. Pourquoi le Québec et pourquoi la Californie? Ils ont une certaine avance en termes de spiritualité, de développement personnel. Il y a beaucoup de monde qu'on aimerait rencontrer. Je cite notamment Jean-Jacques Crèvecoeur qui est actuellement au Québec et qui est conférencier dans le domaine du développement personnel et que l'on rêve de rencontrer. C'est une personne qui nous a beaucoup aidé, qui a répondu à beaucoup de nos questions et qui vit maintenant là-bas au Québec, parce que justement là-bas c'est vrai qu'effectivement la méditation c'est plus vite démocratisé qu'en France et on a encore beaucoup de choses à apprendre. Dans ce genre de pays, on aimerait encore aller s'instruire et pour amener encore des nouvelles choses à vous apprendre, à vous partager. Voilà. Et quand vous faites un voyage, vous savez déjà ce que vous voulez découvrir ou vous vous laissez porter quand vous y êtes, hein? Souvent on se laisse porter. Très souvent on se laisse porter. On a toujours plus ou moins une idée, parce que si on va quelque part, c'est parce qu'on sait qu'il y a des choses à découvrir. Mais généralement, comme on en discutait tout à l'heure, on a beau prévoir, on fait des rencontres imprévues, enfin complètement, auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Et c'est de là que vient l'inspiration en fait. C'est les rencontres karmiques, les rencontres qui étaient prévues, qui étaient destinées en fait, et c'est là-dessus qu'on crée notre inspiration. Prochain voyage, Québec, Californie. Oui, après, pour l'instant, oui, en tout cas, c'est ce qui est prévu. On attend beaucoup la dernière minute aussi. On se laisse porter comme je disais. C'est jamais hein, si l'avion est détourné et qu'on se retrouve en Amazon. Bon, génial. Merci beaucoup en tout cas hein, pour merci votre merci belle à présentation. Toi pour cette rencontre, en tout cas,